je m'appelle Sylvie, j'ai un label qui s'appelle Doki Doki et qui produit des artistes en marge de n'importe quoi. Donc ça va de la musique pop à l'expérimental vraiment inaudible. Et par ailleurs, je défends ces musiques-là quand on m'invite à les diffuser. On a Anne Rocchini qui vous invite aujourd'hui à vous improviser WebJ. Quelle est votre pratique? Comment est-ce que vous expérimentez ce mix à travers le web? Alors, je pense qu'Anne m'invite en général à faire n'importe quoi, c'est-à-dire à essayer de faire planter la machine le plus possible, mélanger tout ce qui est possible de mélanger. Le webjing se passe de manière spontanée comme une collecte d'informations. Par exemple, là tout à l'heure, j'ai mis un morceau d'un groupe que j'ai vu hier soir, tout simplement. Du coup, qui me fait penser à un autre, qui fait penser à un autre, et c'est pas une recherche particulièrement, c'est plus de la collecte d'informations qui ressort à un moment donné. C'est une sorte de déambulation improvisée, partagée. Ouais, ça c'est l'idée d'Anne. Mais donc, moi je le fais à ma manière, c'est-à-dire sans chercher spécialement à structurer les choses, je mets ce qui me passe par la tête. Et ça correspond à un parcours musical du moment. Et donc, quand vous mixez ces contenus web, vous les mixez pur et dur ou alors vous les mixez avec des sons et des images qui vous appartiennent? Comment ça se passe ce mix en... Pur et dur. Pur et dur. C'est du web, donc ça plante, c'est comme ça, on met autre chose, ça coupe. Voilà, c'est le principe. C'est beaucoup plus rigolo qu'un mix normal, traditionnel, c'est que le droit à l'erreur est là et donc ça fait partie des trucs. C'est quoi vos projets artistiques du moment, en dehors du webjing qu'on a vu ce soir? Alors en ce moment, vraiment très actuellement, c'est de réinviter un groupe des années 70 qui s'appelle Crash Course in Science, qui est un vieux groupe américain, qui a navigué entre punk et musique pop, et qui a aussi été le premier à utiliser des instruments de cuisine, des perceuses, des choses comme ça dans sa musique. Voilà, et qui a jamais joué en France. Merci beaucoup. Non, mais...